Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo. Je vais pas en faire une, mais là je fais là, vous voyez. On est sous la pluie pour vous montrer. Déjà, on va faire le pêcher. Il pousse. Hein. Franchement, il devient beau, donc comme ça, je vais bien le tailler. Regardez toutes ces framboises. Regardez, là, c'est la jungle. Là, vous voyez, on voit le kiwi, là. Après, derrière, je vois plus rien. Ici, le tournesol et le pêcher. Alors, vous avez vu. Ah, il fait plein de feuilles, c'est nickel. Et hop, on voit la première figue. Allez, on va faire un tour dans la serre. Voilà, je vais vous montrer quelque chose. Et une belle courgette. Là, c'est la bonne taille. Et ça, voilà, quand c'est comme ça, la courgette n'a pas été fécondée. Donc, tac. En début de saison, on en a quelques-unes quand même. Et après, bon, c'est rare. Pourtant, pour vous montrer, il y a des fleurs, vous voyez. C'est pas ce qui manque. Et aussi des limaces. Voilà, on va continuer le tour. Voilà, pour vous montrer la serre, tomate, courgette encore ici, donc des fleurs, et regardez, hop, alors on a plein de petites limaces cette année, c'est atroce. Quand j'ai ramassé une salade, il y en avait partout dedans. Vous voyez, regardez. Là. Une autre ici encore. Voilà, pour vous montrer les salades, ça pousse bien. Salade rouge. Et betterave. Butternut, betterave ici encore. Oui, butternut là, qui pousse bien. Là, comme ça, il va pouvoir grimper là-dessus. Ça, c'est oignon blanc. Et la betterave, comment bien pousser. Melon. Ça, c'est la bourrache. Tac. Vous voyez, quand je vous dis, c'est pour vous montrer. Le souci, c'est que c'est envahissant. Et là, c'est pour vous montrer. Voilà, c'est un melon. Pour l'instant, il n'y a pas de feu. Donc lui, je vais le faire grimper sur le grillage ici. Vous voyez, fenouil. Ça pousse bien. Ici, les oignons rouges. Quelques carottes. Donc, on verra bien ce que j'aurai. Des navets. Et ici, il va se cacher. Là. Ici, là. Tout. Un butternut encore, que je vais faire grimper. Ici, vous voyez, c'est la forêt vierge. Je ne vais pas, parce que je vais laisser bien les fleurs se développer. Et
peux me montrer. Voilà, on va passer à l'extérieur. Voilà, donc pour finir, on va finir à l'extérieur ici, vous voyez. Voilà. Allez, regardez. C'est rien. Et quelque chose qui a été dessus, mais... Cornichon. Cornichon, cornichon. On va aller. Vous voyez, celui-ci. Et les fruits qui apparaissent. Donc maintenant, on va le faire grimper. Donc, vous voyez, les cloches de culture servent à ça. Ça protège et ça permet de faire développer plus la plante. Et je trouve que ça a été une réussite parce que je ne me suis fait bouffer aucun plant. Alors, ça, c'est des petits pois, les rescapés de graines du bouquet. Là, donc ceux-là, je vais les garder pour les semences. Butternut. Oui, ils sont bien développés. Et, hop, celui-ci monte et il va commencer à grimper. Un autre ici. Hop, il va commencer à grimper pareil. Il y a un tout petit ici. Alors c'est des radis, vous voyez, en fleurs. Bon, ça c'est les haricots rouges, vous voyez. Je l'avais ressemé, mais j'ai quatre plants encore que je mets dedans. Là, haricots verts que j'attends de mettre. Tournesol. Oui, haricots, ça commence. Hein. Avec la flotte, je pense que ça va les faire développer plus et les faire manger aussi. Aussi, il n'y a rien pour l'instant. Ah voilà, j'ai enlevé les cloches. Là, on va enlever là-bas aussi parce que pour vous montrer, nickel le plan. Vous voyez, regardez. Et celui-là aussi, pareil. Donc, en fin de compte, ça m'a protégé. Regardez. Nickel. Là maintenant, après, on le renfonce. Voilà. Pour le bien maintenir. Donc ça m'a permis, en fin de compte, d'éviter que les limaces me les bouffent. Comme ils m'ont bouffé plusieurs plants. Petit pois. Vous voyez les gousses, elles sont... Avec l'appui, ça s'est couché. Là, j'appuie, c'est encore lèche. Mais... Oui, j'en ai partout. Voilà, donc j'ai encore trois ici à mettre potimarron. Ici, je vais mettre des courges tromba, une. Et après, ici, je vais mettre des haricots. Blanc, rouge. On va voir. Et pour vous montrer la cobaie. Et voilà, elle grimpe. Bon, allez, on va arrêter là, sous la pluie. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye, à bientôt.